Salut tout le monde, c'est Yann Esther et aujourd'hui encore une vidéo freestyle sur Happy Wheel. Freestyle. Happy Wheel, là, je flash complètement bourrin. Classe où le but est d'aller jusqu'à l'arrivée sans aucune égratignure. Donc aujourd'hui pas de concours spécial meilleur temps et tout ça. On va juste faire quelques niveaux au pif. Donc je choisis ben déjà la première que j'ai déjà sélectionnée. Donc c'est parti. Alors on peut choisir plusieurs personnages comme le papy Super Sonic ou encore le genre de trottinette, enfin si c'est une trottinette, ou encore le papa avec son gamin à vélo et tout ça. Mais bon bref, on va prendre le papy. Donc c'est parti pour le niveau. Il me semble que je l'ai déjà fait sur... Ouais bon. Alors attention, alors petite particularité du papy Super Sonic. Il a des trucs super sympas. Ah bah maintenant je peux plus rien dire. Oui, vous avez bien vu l'abs des gores du jeu et sans tête, comment pourrions-nous diriger ce truc. Bon, c'est pas grave, allons-y. Ok. Et si je changeais de personnage, tiens, je vais essayer le Père Noël. Oui, non, le Père Noël n'est pas un personnage habituel, c'est juste pendant les périodes de... juste pendant les périodes de Noël. Mais c'est quoi ce délire? Et en plus, il peut voler. On va voir s'il peut voler. Ah bah, maintenant, Soren, t'es vachement con. Oh merde! On va peut-être changer de niveau, trop hard encore, ou plutôt comme le dirait Elarciste dans ses vidéos, trop hardcore. Donc on va quitter au menu. Qu'est-ce qu'on va choisir? Oups, désolé pour ce... C'est de ma faute. Downhill, on va essayer. Alors il y a des niveaux où on n'a pas le droit de choisir son personnage. Donc celui-ci. Attention, attention. Ouais! Je me suis planté! Et j'ai tué le papa avec son fiston à vélo. Donc c'est pas grave, on peut toujours recommencer. Attention. Attention, attention, attention. Ouais! Backflip! Double backflip! Enfin, je sais pas si. Ouais, si on. D'après ce qu'on m'a dit, Alex57, on peut appeler ça un backflip, mais pas un 360 degrés. Enfin, moi j'ai l'habitude parfois de dire 360 degrés parce que vu de 2D, c'est vrai que. Oh, j'ai perdu le gamin! Super! Et ouais, bon. On va le refaire. Le but c'est d'aller à l'arrivée! C'est On peut le faire. C'est rien. Non. Peut-être faire comme ça. Ok. On va changer de niveau. On va prendre par exemple Laboratory One. Can you survive? Je m'en fous. On va prendre le mec qui se la frime en moto. Ah. Tiens, ça fait... c'est quoi le truc en bas? Ah, oh. Mauvaise idée. Je voulais juste rester pour voir si ce truc-là allait réagir, en effet.
Ok, je m'attendais pas du tout à cela, alors on va refaire, on va pas se faire avoir. Donc, particularité de la moto, comme coup spécial, ben, il va juste accélérer, c'est tout. Ah ben non! Oh putain, fake. Fuck it. Donc c'est parti, tout accéléré. Ouais! Ouais! Tu peux y arriver! Tu peux y arriver! Non! Au moins, vous avez le droit à un feu d'artifice, hein. Donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ouais! Ouais! Je vais y arriver, je vais y arriver! Non, 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 non! Non! Bon. Finalement, je vais pas réussir à tous ces niveaux. DC Métro Station. Ah oui, celui-là, je l'ai déjà fait. Donc, celui-là, on pourrait peut-être y réussir. Donc, c'est avec le papa et son petit Gastounet. Je vais avoir planté. Donc c'est parti, restart level. Là, on va ralentir. Dégage. Oh! Oh le pauvre. Oh non, 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 non! Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. On a besoin de toi. Ah! Sale train de merde. Oh merde. Oui. C'est parti, on va traverser tout le niveau comme ça. Ouais. Attention. Et bam, bam. Ça te plaît, gamin? Ouais, c'est parti. Attention, le chauffeur, le chauffeur! Gros sac. Non, 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 non! Fuckery! Oh! Pourtant, j'y avais déjà réussi ce niveau. Bon, allez, c'est reparti alors. Revoir, mon ami. Ah! Ouais, je vais pas louper le métro. Non, je vais pas le louper. Le mieux serait d'attendre que le métro arrive à la fin. C'est peut-être mieux. Vous remarquez aussi la particularité de la physique du jeu quand une. Quand notre petit, nos bonhommes sont dans, sont en train de mourir. Saloperie. Non, non, non. C'est rien. On va y arriver, petit. On va y arriver. Non. Bon, c'est pas grave. On va refaire. Oh non. Bon, bah, on va arrêter les niveaux là, car nous allons essayer, car oui, on peut créer des niveaux dans ce jeu, et je vais essayer, alors, ceux notés meilleurs, ceux créés par les joueurs, donc Lot of Cannon 3, par exemple. On va essayer avec Santa Claus. On va voir, je suis ce que je veux. Ah! Non! Alors bon. Pauvre petit papa de Noël. Je suis désolé, c'est pas de ma faute. Apportez-moi des cadeaux, s'il vous plaît. J'y suis pour rien, j'y suis pour rien. C'est les reines, c'est les reines. Non, c'est pas les reines, c'est. Ok, alors je vois que le mec en fait il s'est trop amusé avec ce truc. Je voulais pas qu'on arrive au menu. Enfin, je veux dire à la fin du niveau, c'est pas grave. Et c'est celui-là, mi et détonation. Il faut dire aussi que les joueurs, franchement, ils connaissent pas trop le but de jeu normalement. On est censé aller à l'arrivée et pas crever. Enfin, c'est ça normalement le but du jeu. Je suis en vie. C'est ça. Comme ce niveau-là, par exemple, il y a des niveaux et en plus ils ont noté 5 étoiles, mais moi je mettrais 0 étoile. Je n'arrive pas à finir les niveaux. Aujourd'hui, je vais essayer de trouver le gamer ou quoi. Quoi? Ok.
Quoi? Ouais. C'est un vrai défouloir. Bref, on va se quitter sur cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Bande de BGMs. Je souhaite aussi bonne joyeux Noël à tous et à toutes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.